Oui, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre petite aventure sur Last Train Home. Donc on était en train de galérer à contourner un blocus, ma foi fort bien monté, cela Quatre dit sans balles. arrière-pensée, et je pense qu'on va Alors. essayer de voir si lui on peut l'attirer en dehors de son champ. Alors je pourrais l'amener jusqu'ici, sachant qu'il va être tourné par là, donc du coup je pourrais pas progresser, donc ça veut dire qu'il va falloir courir dans tout le truc à découvert le temps qu'il retourne à sa place. Ou alors je l'attire le temps de lui mettre un tir critique. Tir critique. Ma chère Oskazé. Il faudra l'amener genre dans ces gravats-là quoi. On peut faire ça. On peut faire ça. Et du coup, c'est en dehors de la vision de lui, je pense qu'il va l'entendre, mais. Ok, vas-y. Balance ton caillou, on va voir. Si ça le fait venir déjà, suffisamment proche. Du coup, c'est un peu bruyant, hein, forcément. On n'est pas sur du sniper avec silencieux moderne qui tire à 5 km de distance. Ok, bon, visiblement on a réussi. Alors par contre, oui, c'est vrai que du coup on est plus caché là, attention. Donc ici, est-ce qu'il y a du monde? Ah putain, ouais, carrément du monde, ouais. L'un dont un qui patrouille, lui qui nous tourne le dos. L'objectif, ce serait de s'occuper de lui. Donc on va regarder jusqu'où va celui-là. Attendre qu'il revienne, c'est un peu long. En attendant, on va envoyer un mec par là. Ok, visiblement il part assez loin quand même. Ok, il y a du chemin. Lui nous tourne le dos, donc dès que lui il a fait son petit demi-tour. Wow. C'était juste, je pensais que ça me servirait d'angle mort, mais non. Ok, c'est parti. On s'occupe de celui-là. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des gens ici qui me regardaient, mais j'ai l'impression que non. Ils sont tous tournés de l'autre côté pour le coup. Ok, on a vu celui-là, mais rien de grave. On va enchaîner parce que lui a l'air de faire un très grand chemin. Donc on se débarrasse de celui-là pendant qu'on y est. Et après, on va se planquer. Là, ça va être tendu. Il va se retourner. De justesse, on était juste en dehors de son angle de vue. Donc pas assez pour qu'il nous repère de manière certaine. On va attendre qu'il revienne, hein, il va reprendre sa ronde. Donc avant de prendre ce truc là, on va se débarrasser de ça. On va se débarrasser du blocus. Demi-tour. Très bien. C'est bien. Faites ta patrouille. Ok, parfait. Venez là, vous. Enfin, même plutôt là. Il va falloir qu'on regarde un petit peu comment gérer ça. Ils sont trois de mémoire, un grenadier, deux mitrailleurs. Il va falloir qu'on se les fasse à peu près tous en même temps. Donc, il nous faut 3 personnes, ce qui tombe bien. Puisqu'on a 3 personnes. Alors c'est dommage parce que je crois que quand on tue les mitrailleuses... Ça détruit la mitrailleuse, on va pas pouvoir s'en resservir. Ok, on a à peu près bien. Go. 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 Ça c'est fait. Vous pouvez venir.
Et on va se placer en défense de cet endroit du coup. Au cas où il y a du monde qui arrive par ici ou par ici. Et plutôt là du coup. Toi t'es blessé, tu viens là. Je pense pas qu'il y a du monde qui va arriver de ce côté là, ça paraîtrait douteux. On va peut-être mettre genre une soigneuse de dos au cas où. Alors on va mettre un petit soin là par contre. Venez par là, on va vous placer. Là, tu vas surveiller cette zone là avec ta mitrailleuse. Allez, toi tu vas surveiller dos par là, toi par là. Ici là. T'as terminé ton soin, est-ce que t'as encore une position à mettre? Pas trop. Donc on va se mettre genre là. Et on sort tout le monde de la cache. Parce que ça fait venir des renforts. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah si, ça arrive. Plutôt par là visiblement. On a réussi à se cacher de justesse. Pane, naše pozice je zajištěná. Konečně. Můžeme udělat to, kvůli čemu jsme tady. Musíme nezbytně zničit tábor rudých. Zdá se, že rudí tady mají vysoce postaveného důstojníka. Nejspíš velí tomu táboru. Mali bysme ho zlikvidovat, kým máme příležitost, major. Ale určitě bude kolem sebe mít silnou posádku. Opravdu se vyplatí zkusit ho zlikvidovat? Ano, vyplatí. Obsadit tábor bude mnohem těžší, když nám jeho jednotka bude moct vpadnout dozad. Stojať! Vidí mě připravený! Presúvam se! Non, ça fait venir les autres du coup. Ok, recule. Kryjem sa. Pripravený. Il ne voit pas. De justesse. S'il progresse un peu, ils vont nous voir. Hein. Du coup, on peut se cacher pour attendre qu'ils s'approchent un peu plus. On va bien les prendre à découvert. Allez, maintenant. Excellent. Ça nous a coûté de la munition, mais au moins c'est fait. Du coup, éliminer l'officier rouge, piller le camp ennemi. Fort bien. Bon, on va laisser du monde tenir cette position, on va reprendre notre petite escouade. Avec un grenadier bonus. Allez, avec un grenadier bonus, ça peut servir. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend par là. Pas oublier qu'il y avait un bout de tissu que maintenant on peut ramasser. Alors, un petit coup de jumelle. Ici. C'est clean. Ah non. Un petit coup de jumelle par là. Il y a un peu de loot, ok, un peu plus loin. De l'ennemi, l'officier est dans le coin visiblement. Presne tak, pane. Pozriem sa. Voir. Ok. Il papote avec un éclaireur. Très bien. Ok, donc possibilité de progresser par là en se planquant derrière la maison, mais il y a du monde à tuer avant. Un mec. Deux mecs. Ok, deux mecs. Potentiellement deux mecs. Et du coup, de ce côté-là... C'est clean, on n'arriverait plus sur le côté du coup, voire par pseudo derrière. Ok. Presuvam sa.
pas regardé du tout ce qu'il y avait derrière là, mais... Overim pozíciu. Personne. Personne et pas de loot. Ah non. Très bien. Rozumiem. Nepriateľ. Oh putain, il est tourné vers nous, lui. Vaše rozkazy? Što je to bylo? Griem sa. Planquez-vous là. 6 points, on le défonce. Ça fera un de moins. Oh, il va pas passer la barrière. Non, il va pas passer la barrière. Est-ce que ce serait pas le moment de lui balancer un petit caillou des familles? Trop tard. Profite qu'il est de dos pour se faufiler. Il y en a un deuxième, bien sûr. Ok, toi tu vas prendre la jumelle comme ça, on va pouvoir lui balancer le caillou si on veut. Ouais. Ouf. Bon, il n'y a personne derrière nous, dans un civil, on va aller chercher le métal au milieu des ruines. On jette un œil là-dedans par acquis de conscience. Skriem sa. On sait qu'il y avait déjà deux mecs ici, mais ils ont été gérés, on va dire. Alors maintenant, comment on va pouvoir s'occuper de tout ça? Podľa rozkazu. Pripravený. Pozriem sa. Nepriateľ. Pozriem sa. Nepriateľ. Ouais, parce qu'en plus là c'est pas du milicien, si lui c'est peut-être un milicien, non, c'est un vrai fusilier, donc là on a le mitrailleur. S'il nous chope à découvert, il va nous faire bien mal. Là ça couvre pas cette entrée, il faudrait éventuellement tous, mais si on peut se débarrasser de ces deux là. En se faufilant par ici. Petit coup de jumelle par là. Preskúmam to. C'est plutôt clean. Genre on progresserait jusque là. Jasná vec. Preskúmam to. Ouais, on progresserait jusque là. Traverser ici, aller là, du coup en étant hors de vue. Postaram sa o to. En tout cas, un peu hors de vue. Mením pozíciu. Alors là, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si ce truc-là leur cache la vue. Genre quand il fait demi-tour... j'ai pas l'impression. Ah, il le voit pas en fait. Donc derrière ce petit bout-là, on devrait être en sécurité techniquement. Ouais, si c'est bon. Ça le fait. Et du coup, on aurait une potentialité d'aller s'infiltrer dans ce petit buisson. Apprends-le. Podľa rozkazu. On aurait peut-être aussi d'ailleurs potentialité d'aller jeter un petit caillou pour le faire venir. Cette fois, il a pas de barrière à passer. Donc toi, vas-y, donne-nous une vision. Ouais, c'est pas très intéressant. Où est-ce qu'on peut le faire venir, malheureusement? Merde, quoi, putain, de la merde. C'est très mauvais, ça. C'est extrêmement mauvais, il y avait moyen d'éviter tout le monde en passant de l'autre côté, et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent devant l'éclaireur, quoi. Bien, wesh! Aïe aïe aïe. Ouh bah, il a pris cher ce train. Ok. Ils m'ont fait peur là. Ah non. Très bien, donc ils vont venir ici.
On est d'accord, et cette fois vous passez mais du bon côté, on va les faire passer un par un limite. Hein. Ah non. On va garder lui pour nous donner une vision. On va envoyer un petit comme ça. Hop, se faufiler là. Allez vite, hein, qu'il fasse demi-tour. Parfait. Putain, lui il a une vision sur toute cette zone, ça va être chaud. Hein. Ou alors il faut leur balancer un caillou par derrière qui se tourne. Donc genre pas quand lui est là, juste quand lui va dans ce sens là, on les fait se faire tourner en leur balançant un petit caillou. Voilà, c'est pas ce que je me disais, lui va pas tarder à arriver, on va devoir attendre qu'il ait fait son tour. Espérant qu'on puisse divertir un officier de cette manière là. Ce qui n'est pas dit. Allez, il s'arrête, l'autre, il se barre. Ça va nous permettre de faire un aller-retour. Vas-y, balance ton caillou maintenant. Allez, 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 allez. Cache-toi. Ça passe. Excellent. L'officier nous a vu, on dirait. Bah c'est pas plus mal en vrai, hein. J'aurais presque pu me cacher là. On va essayer de progresser. Parce que lui il doit voir assez loin mais pas non plus trop loin. Donc, si on se fout là, on va pouvoir s'occuper. Il s'est remis derrière le banc, c'est excellent ça. Bon par contre du coup il surveille complètement cette entrée. C'est moins excellent. Mais ça s'est fait quand même, de manière un peu plus subtile que le « Ouais, on fait le tour de ce côté, on passe devant tout le monde !» LOL. On va pouvoir se faire lui, et dans la foulée on pourra se faire lui sans problème, ça c'est parfait. Et récupérer notre petite issue. Et du coup maintenant il y a un angle mort. Alors il va falloir qu'on passe par l'autre côté pour l'exploiter, mais on pourra arriver par là. Shooter lui, ça pourrait se faire. Hlavně potichu. Rozumím. Urobím to rychlo. Ano, pane. Už idem. Podle rozkazu. Vaše rozkazy? Ok, pardon, je disais rien parce que je réfléchissais et j'observais un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement balancer un petit caillou? Je me demande si je le tue, ça va faire du bruit. Mais je pense que je peux enchaîner. Hein. Si je balance un caillou pour que lui se tourne. Putain, pourquoi tu te mets dans ce sens là, Tepi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Pripravený, urobím to rychlo. Je lepší, když zemře jeden z nich, než jeden z nás. A dobře mu tak. En fait, il devait pas attaquer, il devait essayer d'aller chercher des renforts, je ne sais pas où. Mais coup de bol, on a vu nous encore toutes les squads là. On va passer par ici. Ouais, mais y a rien. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'on va se replacer par là. Et on va aller voir un petit peu à quoi ressemble le camp ennemi. Passer par ici.
Alors il y avait personne tout à l'heure ici, on voyait juste le tissu mais ça a pu changer, mais je pense pas, il y a un mur là. Ah, il y a une alarme là-bas. Ok. Bon à savoir, là il y a un truc explosif. Alarme crit. On va aller se mettre, je pense, ici, on sera dans un excellent angle mort. On va envoyer lui chercher le tissu, attention à la porte qui est là. Ok, excellent, il y a du carburant là-bas, et là-bas il y a une grande arche, donc potentiellement des gardes, gaffe. Passe derrière le petit bout de bois. Allez, jeter un œil. Vas-y, ramasse ça. Bouge d'eau. Première vue, ça a l'air clean. C'est clean. Ok, très bien. Bouge d'eau. Rentre par là. Jeter un œil. Cette zone, c'est plus tendu quand on n'a pas d'éclaireur, faut pas déconner. Hein. Ok, on a moyen de se mettre en position. Alors attention là. Résumé. Dans un angle mort là. On a moyen de se planquer là, espérant qu'il n'y ait personne qui se pointe par là en mode patrouille. Ok, ça a l'air d'être pas si mal. Du coup, à nous. Donc là, normalement, on avait géré. Alors, il y a un mec ici qui reste. Il y a des munitions de mitrailleuse, excellent. C'est le seul. Devant, il n'y a personne. Non, devant, il n'y a personne. Et derrière. Ah, il y a un type ici qui le voit. Ok, très bien. Donc cette zone là est surveillée, cette zone là, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air presque mieux. Ouais, ça a l'air pas mal en vrai. Du coup il reste à voir ceux qui patrouillaient, mais c'était très loin, donc je pense qu'ils doivent patrouiller, voilà, ils doivent patrouiller sur cette route, où est-ce qu'ils vont après? L'objectif du coup pourrait être de s'approcher par ce flanc. Regardez un peu ce qu'il y a par ici. Du monde, mais il y a un boulevard là. Personne qui court ce boulevard? Non. Intéressant. Ah, eux ils vont. Je pensais qu'ils allaient faire demi-tour, mais non. Ils couvrent le boulevard pour le coup. C'est pas hyper grave. Déplacent, j'entends, ils vont forcément un moment faire demi-tour. Alors la question c'est, est-ce qu'ils font une boucle ou est-ce qu'ils repartent? C'est ça qu'il faut qu'on surveille. Ils ont l'air d'être partis pour une boucle. Hein. Alors, décision, demi-tour. Ok, ils font une boucle, très bien. Donc on est parti. Voilà, on va se placer là, mettre nos jumelles, envoyer les fusils et faire le taf. On va se mettre ici. On sera un peu plus près encore. Alors il nous faudrait donc une jumelle ici. Et une jumelle ici. Parfait. Ah, putain, qu'est-ce qu'il fait là lui? Zut. Il y a un petit malin qui vient s'inviter à la fête. Ok, il fait demi-tour. Parfait. En avant. Lui nous tourne le dos, c'est nickel. On avance dans l'angle mort, lui a fait son petit demi-tour. On a vu quelqu'un d'autre. C'est qui? Enfin, on a dû apercevoir le mitrailleur par là. Ah non. Pas de soucis. Toi tu vas là, toi tu vas là. Ah non, il y en a un là. Ah putain, il couvre lui.
Ça, c'est dommage. Changement de plan. Ano, pane. Pozor, těžká zbraň. Já se o to postaram. On s'occupe de celui-là plutôt. Rozumím. Nebude to čekat. Et du coup de celui-là. Vidím nepřítele. Et les deux qui reviennent là. Adam Krit. Il faut se replier. Skryjem se. Povídejte. Zaujímám pozici. Merde, už tu. Chaud. Měním pozici. Heureusement. Heureusement qu'ils sont rapides, les fusillés. Bon, petite infiltration dans le camp ennemi, plutôt réussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent par là, en fait ils font pas tout à fait une boucle du coup. Ou alors c'est un autre groupe. Déjà on va pouvoir aller chercher le mitrailleur relativement facilement. Par contre lui, il est problématique du coup, il est couvert par son copain. En vrai on pourrait même peut-être s'occuper de ces deux là. Počúvam. Áno, pane. Attention, ouais, c'est pripravený. Hľadám kryt. C'est plutôt par derrière. Voilà, c'est bon, ils ont progressé assez. Už idem. C'est plutôt par là. Rozumiem. Allez, c'est parti. Vaše rozkazy, toi tu t'occupes de lui. Ah non, hlavne potichu. Tu t'occupes de lui, toi tu t'occupes de lui. Hey ty, hey, stoj, tu stoj. Merde. Rozkazy, du do krytu. C'est un échec. Demi-tour, la mitrailleuse. Měním pozici. Som tu. Tam je nějaký. Vaše rozkazy, už idem. OK. Bon. Počúvam. C'est pas idéal, mais c'est passé. Ils ont, pour une fois, ils étaient un peu trop réactifs. Alors, on va jeter un coup d'œil de petite coupe de jumelles sur la mitrailleuse là. Ah putain ouais, maintenant elle surveille là. Elle surveille là et là. Et par contre du coup, ouais mais le problème c'est que non, parce que si on veut la taper, il faut qu'on arrive. Il faudra qu'on fasse le tour ici. Donc de toute façon on est obligé de passer par ici. Bien contourner son aura. Ok, très bien. Un coup de jumelle ici, qu'on voit un peu ce qui se passe là. Donc là on a un mec qui fait sa vie, un mec qui fait sa vie, un autre. Lui qui tourne. Donc en gros il faut qu'on fasse un grand tour. Risqué mais jouable. Lui il regarde dans l'autre sens, pas de problème. Presouvam sa. Čekám. Já se o to postarám. Parfait, passe par là. Nebude to čekat. Tu veux pas t'en occuper? Merde, bug. Adam, já se o to postarám. Ok, c'est bon. Rozkazy. Planquez-vous par là. On souffle. Et moi qui me vois, lui. Kryjem sa. Reculez un peu. Rozumiem. Už idem. Jusqu'où il voit? Non, ça va, ça passe. Ok. Très bien. Une bonne chose de faite. Avec leur jumelle, ils voient jusqu'où? Jusque là. On va essayer de voir le plus efficacement possible. On va voir jusqu'ici, donc là on voit un mitrailleur, ouais, c'était celui qui couvrait ça. Donc éventuellement on pourrait se faufiler par là, mais on n'a aucune idée de nombre d'ennemis qu'il y a ici. Toi, c'est court pour s'approcher de toi. Hein. Il n'y a pas vraiment d'angle mort. D
diablement bien défendu ce foutu camp. On peut caler une grenade pour en tuer deux, mais c'est l'alarme à coup sûr. Les grenadiers, ils ont une petite cuirasse de hussard là. Bon. On pourrait s'occuper de lui assez facilement, peut-être après de celui-là. Le seul qui se déplace, c'est lui. Faut observer un peu sa vision, qu'est-ce qu'il arrête, est-ce que les camions arrêtent sa vision, je crois pas. Hein. Non. Les gens peuvent venir jusqu'ici. Après, il fait sa popote. Une fois qu'il a fait demi-tour et qu'il a fait demi-tour là, on a un moment relativement long pour aller s'occuper de lui. Tout en allant potentiellement se planquer là. Parce que là, il fait demi-tour direct. Hein. Il fait pas le tour, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça, il fait demi-tour. On a potentialité d'aller se planquer là, se servir de là comme rebond pour aller gérer lui. Merde. C'est pas bon ça. Il nous a vu sur son petit coin de vue. Pas facile. Pas facile, pas facile. Moi je veux bien piller les camps, mais. Les mecs ils sont 50 dans le tas quoi. Alors on en était où? Ici, ok très bien. Venez là. Recalons nos jumelles. Toi tu vas mettre tout là-bas. Voilà. Ouais, lui il couvre ça là. Pourquoi je l'ai pas vu quoi. Donc on réattend que lui fasse son demi-tour. Attends, et eux ils le voient là. Ah, oh les relous. Il est... En fait il est visible. Bon. Ça veut dire un changement de plan. Par contre là, ce truc là cache la vue. Ça y est, on voit plus. Vas-y, va t'occuper de lui. On compte sur toi. C'est loin. C'est beaucoup trop loin. Non, mais alors, il y a lui qui me voit, sérieusement. Ok, ça marche pas. Alors, observons un peu le reste de l'environnement. Est-ce qu'on peut envisager une arrivée par derrière? Possiblement, on peut envisager une arrivée par derrière. Ah non. Créons ça. On va donc aller jeter un œil. Zaujímám pozíciu. Skryjem sa. Vidím nepriateľa. Ok, il y a du monde là. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Zima blízko. Ça c'est un civil, d'accord, ok, très bien. Počúvam. C'est pas mal ça. Ce qui veut dire qu'on peut aller s'en occuper. Podľa rozkazu. Urobím to rýchlo. Allez, fais pas de bruit avec la ferraille que t'as sur le dos. Presúvam sa. Nickel, bien joué. Jette un œil un peu ici. Il n'y a personne. Ok, intéressant. Bon, par contre, j'avoue. Les deux qui papotent là, lui qui papote là, l'autre qui répare sa machine là, qui du coup surveille cette zone. Lui qui surveille tout là, qui est surveillé par les autres. Lui il surveille ces deux là et la l'alarme. Ça va être tendu. En termes de grenade, on peut balancer une grenade qui toucherait ces deux là. Et encore.
encore faut-il pouvoir s'approcher sans cramer de, sans déclencher de trucs. Est-ce qu'il y a de quoi se cacher? Qu'est-ce qu'on a vu? Lui. D'accord, de mieux en mieux. Oh putain. C'est ouf, il y en a partout quoi. Il y en a partout, et les endroits où se cacher, il y en a un peu là. Ah non. Zaujímam pozíciu. Et ça c'est plutôt très intéressant par contre. Du coup. On pourrait essayer de se montrer à lui. Hop, on se cache. On va voir si on peut genre s'en faire un. Sait-on jamais. Non, ils viennent pas très très loin. Alors est-ce qu'ils sont bien placés pour une grenade de masse là? Ouais. Avec l'autre qui fait demi-tour là. Non. Ça marche pas. Ah, intéressant puzzle là. Oui, je sais, je vois ça comme un puzzle, c'est mon côté Shadow Gambit, hein, Desperados et compagnie. Alors qu'on pourrait le faire en mode on fonce dans le tas. Hein. Mais les renforts, en général, c'est comme des escouades de 4-5 mecs. Et chaque munition coûte cher. C'est pas lui. C'est lui. Ok, c'est toi. Et bizarrement, quand on balance une grenade, ça compte comme une attaque. Quoi. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé. Allez, on se remet en position, une petite sauvegarde, et on va arrêter l'épisode là. Hop là, il nous a vu, juste lui. Est-ce qu'on peut s'en servir? Je crois pas, il viendra jamais assez près. On va attendre du coup, voir ce qu'il fait, mais non, il fait demi-tour, ok. On va donc s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.